Yo tout le monde, c'est Fintex. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre mon code créateur Fintex bleu dans la boutique Fortnite. Aujourd'hui, tout simplement, vous montrer un tout nouveau guide sur Fortnite Battle Royale. Alors c'est pour ça, je vous invite à rester jusqu'à la fin et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à des abonnés. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu likes cette vidéo. Et bien sûr, il va falloir mettre ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance, allez, bonne vidéo. Hey, merci tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un peu, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu, voilà, si on peut atteindre le chiffre de 100 likes en moins de 10 minutes, ce qu'on est capable, du coup, à vous. Tu lâches ton petit like, ça fait super plaisir. Du coup, comme d'habitude, je t'invite aussi à te rendre dans la boutique Fortnite et de mettre le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait juste super plaisir. Merci à toutes les personnes qui pousseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Du coup, tout simplement, comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va simplement tester un tout nouveau guide sur Fortnite Battle Royale pour obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Du coup, on va tout simplement essayer un tout nouveau glitch pour obtenir plus de 80 € de V-Bucks gratuitement. Du coup, c'est pour ça que je vous demande de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, première étape du glitch, du coup, le glitch, je l'ai vu sur TikTok. Normalement, tout a l'air de fonctionner. Du coup, il va dans la boutique d'objets, il met la classe soutenue à un créateur, et là, il rentre un code créateur et il accepte. Ce qu'il fait après, il se rend dans ses paramètres, il clique ici sur le petit logo, il fait des quêtes d'opinion, il coche appliquer, il fait retour. Là, ce qu'il fait après, il choisit la case V-Bucks, il choisit 13 500 V-Bucks. Là, il a juste à cliquer sur le bouton acheter. Après, il rate simplement le moyen de paiement d'autres plateformes. Vous allez juste à revenir, vous allez revenir dans la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur un skin, vous allez faire un cadeau. Là, vous allez sélectionner une personne, vous allez faire continuer, vous allez faire retour, vous allez faire encore retour. Là, vous allez partir dans votre casier, vous allez partir dans le lobby. Là, ce qu'il vous reste à faire, c'est partir dans signalement et retour. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique, casier ou salon. Les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est les V-Bucks. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez faire continuer. Accepter, envoi du signalement. Là, vous allez fermer. Là, vous allez recliquer sur la case de V-Bucks. Vous allez faire encore le bouton acheter plusieurs fois. Il y aura le moyen de paiement dans votre plateforme. Là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de revenir. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est aller dans vos paramètres, aller dans quête d'opinion et de mettre tout oui, comme quoi on peut obtenir des cadeaux. Après, là, vous allez repartir dans vos paramètres. Vous allez descendre tout en bas. Là, vous allez descendre dans crédit de Fortnite. Il y aura tout simplement un matchmaking dissimulé. Et tout en haut, il y a un mode anonyme. Vous allez vous mettre sur appliquer. Vous allez faire retour. Vous allez cliquer sur la case 13 500 V-Bucks. Vous allez faire le bouton acheter. Il y aura un curl mail de plateforme de paiement. Ce qu'il vous reste à faire ici, c'est écrire la case V-Bucks. Du coup, moi je suis sur clavier. J'écris V-Bucks. Je fais envoyer. Et il y aura ce message là qui va apparaître. Tu vas cliquer ici, voilà, tu vas cliquer juste dans tes paramètres. Après, il y aura bien le message V-Bucks qui va apparaître. Ce que tu fais après, tu cliques sur signalement et retour. Tu attends le chargement, tu descends tout en bas. Tu vas dans boutique casier. Les prix et les objets sont incorrects. Tu fais continuer, accepter. Tu attends l'envoi du signalement. Tu fais fermer. Et tu as juste à revenir dans tes paramètres et de faire le bouton oui. Et du coup, tout simplement, ce qu'il vous reste à faire, c'est de choisir le mode de jeu pour sauvegarder tous vos paramètres.
Du coup, c'est pour moi dans le TikTok, il nous dit de rester 1 à 2 jours avant que Epic Games nous envoie nos V-Bucks. Du coup, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, c'est pour ça, venez me follow. Du coup, ça dépend, 1 à 2 jours, je vais publier la story pour voir si ça a fonctionné ou pas. C'était Fintech, j'espère vraiment que cette vidéo de glitch, vous connaissez un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale, vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. C'était Fintech, allez, ciao tout le monde.